Forest Eddy, 17 ans, défenseur central au SN Geo de moins de 18 ans. J'aime ce sport parce que dans mon entourage, mes frères, voilà, ils étaient tous dans ce sport. Et ben voilà, je suis parti dans leur délire et ben voilà, je me retrouve là. J'ai commencé très jeune, à l'âge de 4 ans, 5 ans. J'ai deux championnats, j'ai les moins de 12 ans et les moins de 16 ans. Et trois Coupes Calédonie, moins de 12 ans et deux en moins de 16 ans. Je rêve, comme tout joueur, d'être pro, surtout ici sur le Caillou. Mais bon, ouais, il faut se donner les moyens. Mais oui, je rêve d'être professionnel, comme Georges Gopfenepej ou bien César Zeoula, ou bien encore Christian Karambé. Il faut beaucoup s'entraîner et il faut faire beaucoup de sacrifices. Parce que ici, c'est pas le foot le plus important, c'est surtout l'école et le travail. Donc ouais, le foot, il passe après, donc c'est un gros sacrifice qu'il faut faire. Être un peu loin de sa famille pendant quelques temps, enfin pendant ouais, quelques heures, c'est très difficile. On a l'habitude d'être bébé, on a l'habitude d'être toujours avec ses parents et la famille, donc voilà. On rêve tous d'être au niveau. Et c'est vrai que les Jeux Olympiques, ouais, c'est un objectif atteignable, il faudrait partir. Ben voilà, c'est une grande porte qui s'ouvre, mais les sacrifices, ben, c'est de laisser surtout sa famille, laisser l'école et la peur de ne pas échouer, de ne pas réussir dans le football. Ici sur le Caillou, c'est un petit Caillou, c'est un petit pays, mais on a du potentiel. Mais voilà, comme j'ai dit encore, je reviens encore sur ça, c'est sacrifice et il faut se donner les moyens et il faut avoir beaucoup de courage aussi.